Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Docteur Frank pour un nouvel épisode de Héros et Chaos. Donc Wizard va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Vas-y, bonne journée. T'as coupé, mec, on a rien entendu. Oui, on a rien J'suis entendu. déçu. Ouais, Je alors. voulais entendre ton, ton Ah, intro. excusez-nous, on va avoir un peu de ramage qui se rapporte au plumage. Parce que au moment où on tourne ça, il y a le plot de l'épisode. Un épisode qui est encore en cours, donc il y a un peu de ramage qui se rapporte au plumage. Je disais que Cousette allait nous faire le résumé de l'épisode précédent. Alors, c'était très intéressant l'épisode précédent parce qu'on a tué. On a visité les os. On a Alors, tué beaucoup de excuse-moi, squelettes. je vais t'arrêter parce qu'en fait, tu coupes quand tu parles. Donc, je vais faire le résumé de l'épisode Non, précédent. non, Ah non, mais c'est à cause de moi, hein, cherchez pas. Narfang, c'est toi en fait. Oui, Si pardon. t'as. Je sais Toi. que c'est Commence, à cause de Narfang. moi. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais que c'est à cause de moi, donc c'est pour ça que je vais faire le résumé moi-même. Oh, que dalle! Donc, ils mitent rien Très de bien, leur côté, mets ton voilà, ils sont proche de la morts de fenêtre. rire. LOL. Alors, attendez, faut que je relâche un petit T'es sous message. un tunnel. LOL. Voilà. Pardon. Ils sont très contents, ils peuvent Du rigoler. coup. J'ai marqué League of Legends, ils sont heureux. Voilà, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien à ce que je dis, c'est formidable. Si, là Ah, par contre, on a compris. ça va être un épisode légendaire avec un elfe bourré. Magnifique. Quoi? Quoi? Donc, ah bah ça, ils l'ont entendu. Ah, Je... voilà, ça, ils l'ont entendu. Hein. Ah, bourré, ils ont compris le mot. Ils ont fait, ah, ça, c'est bon, ça j'ai entendu. On l'a La tous connexion, elle entendu. laisse passer. Voilà. Donc, résumé de l'épisode précédent, vous avez poutré quelques squelettes qui vous ont poutré également aussi un petit peu. Et du coup, bah, vous étiez en réunion au sommet. Hein. Donc, à vous de parler. Allez-y, ne dis plus rien. Yes. Il va pas comprendre ce qu'on va dire. Alors, mais je propose que nous j'ai une quête très importante ici. Afin de mener à bien cette quête, nous devons terrasser tout ce qui se trouve de vivant dans ce. Quoi? C'est un chanteur. Archimage. Yes. Donc je lui montre la direction. Ok, donc tu lui montres la direction Je vous de la laisse. forge. La vieille forge naine. Donc tu te souviens très bien. Effectivement. Donc... Vous êtes hors combat, je vous laisse avancer jusqu'au point où vous voulez avancer, il n'y a pas de souci. Je reste sur mes gardes, on sait jamais, parce que la dernière fois que j'ai quitté cette pièce, il y avait beau. Il y avait quelques mecs. Le coffre était. Il y avait quelques mecs, ça Déjà va. fait. Il y avait quelques mecs. Est-ce que je me souviens qu'il y avait une... un passage Tu t'en où souviens il est ouvert? parfaitement. T'avais fait une réussite critique sur ton jet de D'accord. mémoire. C'est vrai. Tu te rappelles même que dans la salle d'après, il y a un sarcophage. Probablement du seigneur humain qui Oui. occupait cette forteresse avant. Donc je m'arrête ici, j'essaie de regarder s'il y a quelque chose Il y a rien, à il y a travers la personne, il y a porte. rien. J'entends rien? Il y a rien, t'entends rien, tout va bien. Très bien. Alors attends, Nous devrions nous suivre. je vais te révéler la zone. Bah, j'ouvre le pas. Attends. J'arrive pas à passer au-dessus. Eh, ça va. Et ce PS d'handicapé. Et normalement, si Alors. je me rappelle bien, là. Un beau On avait ouvert le tombeau, hein, je crois. Une grosse, grosse porte, ouais, le tombeau Le ouvert. tombeau est entrouvert. Eh, jette un œil, Arthur. Asgal, Asgal, C'est pas voilà. très roleplay. C'est vrai. J'ai oublié que tu t'appelais Asgal. T'inquiète. Bah, du coup, je vais jeter un œil. Non. Ok, tu y jettes un œil. Tu y jettes un J'ai œil, pas vraiment un œil, hein. c'est parti. Ah, oui, pardon. Que choisis-tu? Ouais, il prend des thunes. Il n'y a pas d'humour ce garçon. Hein. Donc tu Ouais, trouves je tire 25 mal. pièces que je vais te Tire donner. mal. Et tu trouves également. Donc tu vois qu'en fait ils ont rangé du merdier parce que la salle du trône elle a été détruite. Donc voici ce que tu trouves également.
Donc tu trouves ça dans les Attends. anciens objets de la momie. Et tu trouves ça dans le reste du coffre. Il y avait un coffre dans la salle du trône, je sais pas si vous vous rappelez, qui a été rangé à cet endroit. Et tu as gagné donc également Allô? 25 On pièces entend d'or. une lettre par chaque mot que tu prononces. Et c'est formidable. Et c'est un peu moche. Voilà. C'est un peu moche. Wow. Non. Non. J'ai dit non. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ok, je sais pas où il atterrit, mais il atterrit. Yes, on a tout compris. Vous avez gagné des thunes en français dans le texte. Ah, d'accord. Voilà. Enfin, le nain a gagné des thunes, Ouais, c'est plus simplement. simple. C'est beaucoup d'argent. Yes. Belle pierre. Le nain a récupéré beaucoup Alors, d'argent. ça fait combien? Donc je vais essayer là C'est si combien vous en euros? m'entendez à peu près convenablement ou pas? Ou pas du tout. Non, pas du tout. Ah c'est moche. Vous savez quoi? Je vais tenter la petite déco reco de Discord. Hein. Sinon, tu essaies de changer la localisation. Non, parce que Ou si sinon, vous tu fonctionnez bien, t'arrêtes c'est que le l'upload. problème vient juste de moi, quoi. Juste une déco reco. Voilà, là, vite fait. Mais je doute que ça vienne de Discord aussi. Ouais, non, ça vient pas de Discord. Hein. Je pense que le problème vient juste de chez moi, du fait que je vous dis l'épisode est encore à l'upload. Épisode qui est encore à l'upload. Ouais, et puis il y en a encore pour 1h05 minutes, quoi. Lol. Donc, est-ce que vous m'entendez convenablement à peu près ou pas du tout là? 200, ouais, ça devrait aller. Là, c'est OK pour l'instant. Ok, donc en fait, dans ce coffre-là, dans ce tombeau, il y avait. En fait, ils ont tout rangé dedans. La vieille momie avec du pognon. Donc la momie du chevalier en question. Le coffre du trône, de la salle du trône, qui a été rangé. Plus de la thune qui traînait ici et là, qui avait été jetée en vrac. Voilà. OK. Oh, Voilà, la voilà. voilà. Donc c'était plutôt cool. Donc Effectivement. là, clairement, vous voyez en fait une double porte. Je sais pas si j'ai de quoi vous faire une double porte proprement. Ouais, par exemple. Elle était pas Allez. prête pour un... Tiens, allez, paf. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Ouais, on a compris, ta. Yes. Ok, donc vous avez une double porte de pierre qui avait été enfoncée et qui l'est toujours d'ailleurs. Et vous ne voyez rien ici. Vous voyez rien par là. Mon cher Asgal, ouvrez donc la mare. Ok. Donc, est-ce que je me rappelle aux Ça, endroits c'est un où problème, ce fallait sont de ma appuyer pour l'ouvrir? comptable. Non, mais elle a été défoncée par le seigneur du chaos des temps en retard. Bonjour. Donc celui-ci, il était en train de faire de la popote. Hein. Il est en train On de faire n'entend sa pas que ma petite femme. popote, hein, en train de fondre des matériaux, là. Il était en train de faire une petite popote. Voilà. Donc il ne t'entend pas, hein. Ça fait clunk, 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 clunk. D'accord. Pshhh. Voilà, ça Charge fait des le bruits comme téléphone. ça. Je m'en vais. Voilà. Et tu fais ce que tu veux. Mais les autres, ils font quoi? Ils restent. Nous refais un petit coup du puits du chaos, tu le charges, tu le fais comment T'inquiète ça? pas, mon pote Asgal. Je suis prêt à t'aider jusqu'à. Attends, mais opter un régime drastique de type Gascon, toi aussi? Et moi je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. Alors, on est camarade. J'ai le droit. Tu bouges en premier? Pardon? Est-ce que tu agis en premier? Ou est-ce que je suis sympa et je rappelle à l'archimage qui peut par exemple lancer une vision du futur avant? Par exemple. Et alors j'ai entendu vision du futur. Alors voilà. Puisque Je vous voulais êtes lancer hors... une vision du Alors futur. puisque vous êtes encore hors combat. Vous êtes hors combat, le mage peut tout à fait s'avancer, se faire une vision du futur et balancer une foudre s'il veut dans sa lancée. Pas de... Voilà, je ne vois pas pourquoi le nain devrait aller se Ouais, suicider en premier. c'est vrai, bah écoute, je vais le faire. Ok, tu fais Je ça. peux? Tout à fait, tu peux te rapprocher Une jusqu'ici. vision du. Pour l'instant, vous n'êtes pas vu
Personne ne vous voit. Donc tu peux lancer ta Stupidissime. vision du futur. Vas-y, lance ta vision du turfu. Du coup, le Attention. nain, dès que c'est lancé, tu peux foncer, mon pote. On va pouvoir le charger. Ça passe. Yes, c'est une réussite. Tu nous sors ta vision du futur, s'il te plaît? Ton petit dé magique. Yes. Terminé. Yes. Parfait. Bam. Donc, la vision du turfu. Magnifique. Incroyable. Et tu lances une foudre ou pas? Allô? Alors, non, je vais plutôt faire une faute. Et je veux leur donner de se suicider. Se Tel suicider. un lâche. D'accord. Bah écoute, vas-y, hein, j'ai envie de te dire, c'est y part. Touk. Alors je crois que ça vole pas très haut. C'est une réussite. C'est une réussite critique. Eh ben merde. Alors 2 secondes, je vais voir. Ouais, merde. Je vais voir mon guerrier, la vie de teuf. Parce que j'oublie d'ouvrir du coup le. Voilà. Pour résister. Ah putain, ah oui, solide quand même. Solide quand même. Réussite critique, tu passes quand même par-dessus. Tu vois qu'il a un instant de doute. Qu'est-ce que tu lui ordonnes de faire, s'il te plaît? Mais Ah, c'est pas excuse-moi, là, subtil, je t'ai pas c'est pas. entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ordonne de se suicider avec son arme. De Se se suicider avec son tranche la. arme. D'accord. Se défonce. Peu importe ce qu'il a dans la main de tranchant, là, il se pète avec. D'accord. Bah, c'est au tour du nain. Et après, il se tranchera la gueule s'il le souhaite. Touk. De quoi? Vas-y, maître nain, c'est à toi. Ah ben, je vais charger sur ma future. Tu te mets où là? Je lui Pardon? assène un beau. Là, comme ça. Et avec toute la rancœur que je peux faire, dont je puis faire preuve pour venger mes ancêtres, je lui assène un bon coup de hache vers le bas. D'accord. Vas-y. Vas-y, vas-y. Le nom, pas, elle va casser. J'ai pu m'aider. Merci, je peux relancer. Ah, Tu il a peux me le évolué, alors là, remercier, mon. c'est un peu moche. C'est un peu manche. C'est Attends, un mais c'est quoi CR pour. R. Ouais, C'est c'est un peu mieux. moins Je t'ai moche. fait un coup critique. Coup Un coup. critique. Eh bien, ça passe, Coup critique. puisqu'il ne se défend pas et qu'il n'esquive pas. D'accord. Donc maintenant, fais tes dégâts. Allô? Allô? Oui, fais tes dégâts. Oui, pardon. Ah, ça c'est beau aussi. Bah attends, je relance les deux. Bah Ouais, vas-y. vas-y. Vas-y, vas-y. À C'est la recherche du gratuit. coup critique. Ah oui, il faut. Et Oh, c'est un coup oh, critique! C'est un coup critique! oh, oh. Un coup critique à. 8D. Non, à 7. Parce qu'il 7D, y en a un que je garde t'ajoutes pas. plus 2, ça fait 9. Ah bah c'est très joli. C'est très très beau, C'est très joli. ouais. C'est très très joli. C'est beau. C'est beau. Bravo le veau, hein. Ah, il a le cheat code, hein, on l'a vu. C'est très, En c'est plus. nanesque comme. Ouais. Certains auraient dit Ouais, nanique, mais bon. c'est grâce au mage, hein. À l'archivage, n'est Ouais, pas tu peux archivage qui peut. tout donner déjà. Je cherche pas à comprendre. Alors, un instant, du coup, je ressors mon guerrier vite fait. Il s'inflige combien? Wouh! Ah, c'est la grosse fête. C'est vraiment la grosse fête. C'est du 12 G8. Non, c'est du 12 G7. 12 G8. Bien ça. Oui, d'ailleurs, je me suis gouré. Attendez.
Attendez, le MJ qui s'autocorrige pendant que c'est pas intéressant. Ah non, c'est bon, c'est ok, c'est bien du 12 j'ai eu. 2, 1, 3, 4. Contrôle C. Voilà. Il va s'en Ouais, reculer. bon, il s'est DPS sa tête de mort. Hein. Je pense qu'il se fait un critique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il se fait un critique. Voilà. Merci d'avoir joué. Merci Yes. d'avoir joué. C'était rapide. Ça fait mal. J'ai plus de mana. J'ai peut-être ramassé une arme. Bon, du coup, je vais peut-être laisser le mage le coffre. Ah ouais, j'avoue que ma cape de magie d'archi mage. Très bien, je vous Par montre contre, juste si je un peux. petit instant. Avant, j'appelle mes camarades. Mes camarades, vous pouvez venir. Les ennemis ont été détruits. Voilà, Oui. pardon. J'étais un peu abusé. Camarades, Qu'est-ce qui s'est passé? Vous appelez ça du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? On était Nous si avons loin, vous avez juste rencontré un entendu guerrier du lancer des sorts. chaos. Oh, pas mal. Et... Le nain l'a fracassé contre le sol. Fort heureusement, Il s'est la flemme suicidé. était là. Ah ouais, alors attendez, là, parce que du coup ça devient chiant. Touc. Touchez pas à ça. Touchez à rien. Ah. Alors normalement, vous êtes censé en tirer deux. Toi, t'en Je tires trois, suis c'est ça? archimage. T'en tires trois, toi. Yes. Ok. Je tire 3 et j'ignore les pièges et les monstres. Oh, c'est pété. Du coup, je m'en tire. Et vous en gardez deux. Incroyable. Bon, bah, on sait ce que Oh, vous gardez, hein. bénite et les bijoux. Bah, vous Alors, pouvez vous bénite. noter, C'est tu l'eau peux te qui était noter rangée, ça. puis. Une eau bénite. Et Mais c'est 50 balles, sur alors mort-vivant. 50 balles de bijoux. Oh! 50 balles de bijoux, je vais te les donner. Voilà. Hop. Et celle-ci, elle vaut 50 PO. Pouf! Là, t'es 50 balles. Est-ce que je peux transformer un coffre en sac à dos? Un Aucune âme coffre en métisse. sac à dos. Bah, t'as des outils à disposition, tu pourrais faire ça, ça te ferait des anses un peu métalliques, mais il doit y avoir des lanières de cuir. Si vraiment tu veux le faire, c'est possible puisque t'as une forge à disposition. Oh. Je Mais suis capable de forger. j'ai pas fini. Pardon. J'ai pas fini. Attends. Maître mage, tire une carte, s'il te plaît. Le mage. Le mage. J'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Bam! Il a gagné un anneau La mystérieux. norme. Par quête, le pouvoir mystique contenu par cet anneau peut être utilisé pour annuler maintenant les effets d'une attaque magique. Incroyable. C'est un artefact nain Tu peux de très l'apprendre. grande Oui, valeur. c'est un artefact nain d'une très grande valeur. Incroyable. D'une valeur inestimable. Ça manque. Un précieux. Un précieux. C'est mon Donc précieux. il a trouvé son précieux. Je vous remercie pas de ne pas mettre des jetons okay, là où il faut. Ah oui, Hein. bon. Merci. Ah, ok, cool. Yes, nous allons faire. Alors, est-ce que je peux offrir. Je peux donner ce que je Par contre, vous n'avez pas Ah, fouillé quoi. ce râtelier. La Ah fouille, hein. bon? Ah, d'accord. Ouais, Oui, le râtelier. je fouille. Je fouille la forge. Parce qu'ils fondaient des choses. J'ai envie de voir ce que c'était. Ouais, Et alors en fait, c'est que les des vieilles restes armes du guerrier du pétées. chaos, il n'y a rien de. Il n'y a que des vieilles armes pétées. De quoi sur le guerrier du chaos? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Il faut que tu mets Il y ton a des micro restes dans ta dedans? bouche, s'il te plaît. Il y a des Ouais. restes dans le guerrier du chaos? Oh oui, c'est pour Mets ça le que j'ai micro noté dans ta guerrier du bouche. chaos. Bah, il y a sa hache à deux mains, il y a son armure. Il y a tout ça. Et il y a l'humain qu'il y avait dedans, également. Voilà. Dans le râtelier, tu vois qu'il y a de tout. Il y a des vieilles armes des humains qui sont rouillées, abîmées, cognées, cassées, tordues, tout ce que tu veux. Des armes pareilles de nains qui sont défoncées, mais anciennes et tout. Et bah, des trucs, des gobelins, des machins, des bestioles du donjon, des fourches de pays, des têtes de fourches de paysans, des têtes de haches de bûcherons, des trucs comme ça. Des faucilles.
En fait, des pièces métalliques dans tous les sens. Du sabot de canasson, tout. Tout et n'importe quoi. Est-ce que je peux les fondre pour en faire des lingots? Alors, il se passe Plus qu'effectivement, de ceci est thunes. une forge naine. Ouais. Donc, effectivement, tu peux faire beaucoup de choses avec une forge naine. J'ai plutôt envie de dire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec une forge naine? Ce serait plutôt ça la question. Construire des bâtiments. Construire de quoi? Des? Fabriquer un poney. Ça, c'est vrai, on peut pas fabriquer des poneys, mais des poneys en acier, on peut. Bah si, tu peux fabriquer, oui, des poneys en acier. Tout à fait. Et tu peux pas fabriquer des vrais poneys. Non. Alors, à savoir que la forge naine possède une fournaise qui est une fournaise de nain. C'est-à-dire l'une des rares fournaises qui est capable de fondre du mithril. Donc, la question, qu'est-ce que tu ne peux pas faire dans une forge de nain? Des objets d'elfes. Et encore, il faudrait qu'un elfe devienne forgeron, et si tu pourrais en faire aussi. Tu ne peux pas faire de l'origami. Voilà, avec du papier. Tu es obligé de faire de l'origami On avec du peut métal. C'est faire tout. du C'est chiant. C'est juste chiant. Tu peux pas faire des bâtons de bois, par exemple, des bâtons de mage, de moine, par exemple. Tu peux faire que des bâtons en mithril, en titane renforcé, Oh putain. en cénarium, ce genre de truc. Je sais pas pour vous, mais ce qui est bien avec le lag, c'est que j'entends un mot sur deux, du coup Et j'essaie moi bien si j'ai ça a aucun. entendu bâton de type métal, titane, minéral, uranium, tout ce que tu veux. Moi, ça m'intéresse si tu peux, ou Tu peux même faire des nous super faire trucs. tous chacun une arme. Malheureusement, ce nain Mes n'est amis. pas forgeron. Non, je suis pas forgeron. Oui, je suis pas forgeron. Il est tellement Calmez-vous, les gens. Monsieur. sniff. Il est tellement sniff Mes, sniff. euh, Clay. Est-ce qu'on peut Clay, démonter la forge? Clay, Clay, Clay. Je te tends un parchemin de résistance. Je te le dois. Je te l'offre. Merci. Et l'elfe qui se nomme, j'ai oublié le nom, Ah, la désolé. farine. Farine, je te tends un parchemin de vitesse. Je suis pas sûr que Triple petit le déplacement. parchemin de résistance sera utile. Parce qu'il a pas, il a pas de, il a pas de Il n'a pas défense, d'armure. Ah mince, qui a un jeu de défense? le nain. Bah le nain. Le nain et Le l'elfe. nain, tu peux le plandre. Merci Mais beaucoup, même si je te fous de mon pareil, encore une accent. fois, encore une fois, maître mage, plutôt que de se dire je suis en rade de mana et je peux plus rien faire, garde tes parchemins et lance-les toi. Comme ça, les autres gardent leurs actions. Je peux lancer un parchemin pour un autre joueur. Bah bien sûr. Je t'ai jamais Oh, interdit d'envoyer un sort qui tout. affecte les autres. Y a pas de Ok, my problème. bad, my Tu es bad. archimage, hein. Y a pas de. T'es pas un touriste, hein. T'as un My bad. photo, hein. Bah du coup Photo dans la forge naine. Non, je non, suis t'es pas un désolé. touriste. Donc tu gardes tes parts-machins et tu t'en sers maintenant que t'as plus de mana. Très bien, bah écoutez, Yes. vous avez pouillé visiblement cet endroit-là. Néanmoins, une chose turlupine, le maître nain. Mais le maître nain va me faire un jet de mémoire. Mémoire! Est-ce que parce qu'il a vu cette Wow. forge, il a tout C'est où ça qui oublié? était là avant? Grande question. Avec avantage, hein. Voilà. Ouais. Ok. Tu n'as toujours pas retrouvé le corps de ton ancêtre. Oui, mais ça, j'ai pas oublié, mais Non, si je le lis. je peux fondre les... Je suis juste Bah le gay truc c'est pour fondre que des fondre du matériel, ça va te prendre plusieurs heures, monsieur, hein. Que t'as le Mais ventre si je vide, l'ai que vous êtes encore potentiellement entouré de monstres. Oui. mais si je les mets juste à chauffer dans la forge. Alors, en fait, il y a beaucoup plus que juste à les mettre à chauffer dans la forge, mais tu peux le faire si tu veux et tu obtiendras le métal que tu obtiendras. Puis c'est tout. Mais tu peux faire ça, en Au effet. pire, ouais. Bon, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Je vais prendre ça. Ouais, c'est ça. Je prends ça avec moi pour les ramener là-bas. Du coup. Ok, ça marche. Et comme ça, après, je le. Ah bah du coup, on sort vu qu'il est Alors, parti. tu n'as pas mangé ton micro, j'ai pas entendu. On sort tous avec le nain vu qu'il est parti. Il s'est Oui, tout à fait. téléporté dans une autre pièce. Aucun problème. Non, Allez, hop. techniquement, je suis passé devant. Bien sûr, mais vous êtes hors combat, donc ça me perturbe pas. Du coup, on peut looter la chasse
chasseresse, non? Je peux pas récupérer. Tu peux looter la chasseresse, hein. Tu peux looter la chasseresse. Donc, ouais, je dis, bah. La chasseresse, je fais ça. Tiens, v'là son bling. Tiens, v'là son inventaire. La bonne journée. Voilà. Est-ce que je remarque quelque chose dans la pièce, hormis le sarc? Bling, hein, la sans bling, quand même. Hein. Voilà. Une ceinture à poche, un bouquet de ouais, ouais, ouais. Mais je vais surtout noter ça sur une autre feuille, en dehors du jeu, si je peux. Bah, vas-y, si tu veux. Ça marche. Parce que... Mais sinon, tu peux noter ça, là. Hein. Là. Ouais, mais et... cette feuille-là, tu seras capable de... Non, mais ça va être à vous de la sauvegarder. Vous ferez un clic droit dessus, vous ferez Save Object à la fin. Ça, vous pourrez la réinvoquer dans l'autre map, en fait. Sur la map monde. Voilà. Pardon, je suis là. Ouais, pas de souci. Donc, le maître nain est en train de faire de la gestion de matières premières et secondaires. Voilà, donc on empile du merdier. Hein. Voilà, regardez, une bonne petite pile de merdier qui est quasiment aussi haute que l'elfe. En tout cas, qui est aussi haute que le nain ou presque. Voilà. Donc, le nain s'amuse à faire de la manutention. Est-ce que je peux méditer pendant qu'il fait tout ça? Franchement, ça prend très peu de temps. En gros, là, il a ramassé les conneries qu'il y avait autour de lui. Il y en a eu pour 10-15 minutes, grand max. C'est trop léger pour méditer. Ok. Après, rien ne t'empêche de disparaître pendant une heure en disant « Je médite !» Salut, démerdez-vous. Non, je vais rester aux échos que... Ouais, je demande la venue. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai du ping. Est-ce que ça vous dérange, mes camarades, si je médite une petite... Si vous méditez, vous ne vous... Pour toujours. Non, nous allons méditer dans la forge, au moins vous nous aurez à... Mais justement, on est plus dans la forge. Bah oui. Mais tu vas y aller? Non. Je regarde. J'ai pas bien suivi, désolé. En fait, je pensais que tu récoltais des restes d'armement. Je les ai juste ramenés. Après, fondre le reste. Enfin, c'est un délire. Ok, bah alors. Non. On va fondre. Mais nous devrions fouiller les autres. Oui, c'est ça. Pardon? C'est infâme. On pourra fondre une fois qu'on a torché le dent. Oui, bien sûr. On reviendra. C'est ce que j'ai pensé faire. Bon, du coup. Est-ce qu'il y a vraiment que ce sarcophage dans cette pièce? Oui. J'aimerais bien, même si j'inspecte tout, il y a que ce sarcophage. Oui. Attends, c'était... Nous voulions aller ici ou ici. Il faut revenir sur la nôtre. Je vais me mettre en avant-dernier. Ouais, je me mets en premier. Je pourrais faire un petit buff à la limite. Je me mets en dernier. Après, l'elfe, c'est l'incarnation du courage avant tout. Attends, l'elfe, il a un des sorts les plus pétés là. Ouais, mais je peux le lancer. Ah, il va arrêter de se plaindre, l'archimage. Je vais lui enlever un point de vie maintenant à chaque fois que l'archimage se plaint. Voilà. Mais c'est non officiel. Mais c'est décidé. C'est décidé. Je t'enlèverai un point de vie à chaque fois et un point de vie définitif hein, à chaque fois que tu te plains. Tu ouvres cette porte, monsieur, tu regardes à travers. Ouais. Ça se passe que. D'abord, j'écoute et je regarde. T'entends rien. Et si je regarde pas le tour de la serrure? Tu vois une bibliothèque ici. En face de toi. Sur le site de savoir maléfique. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Je te révèle donc... J'aime les bibliothèques. Paf. Tu peux entrer. Toujours... Ce sont des bibliothèques. Avec des livres humains et quelques très vieux livres, mais en très mauvais état, qui sont des livres nains. Voilà. Alors, est-ce que je peux diriger mon attention sur les livres nains en particulier? Parce que les livres humains, bon, on va pas se... Les livres humains, pardon. Écoute, beaucoup de vieux livres très très fatigués, tu trouves le... Comment dire, le journal, le grimoire de la famille, c'est-à-dire que le grimoire où t'as, depuis le début de la lignée, depuis qu'on a créé le grimoire, jusqu'à la dernière descendance, et donc bah, jusqu'à que là ça se termine, y a pas de suite quoi, y a pas de suite à ce grimoire, mais t'as trouvé le grimoire familial. Voilà. Y a un nom de famille? Oui, je vous l'avais donné, mais je l'ai plus.
crois que c'est barul, mais je suis plus sûr. Je crois que c'est barul, mais j'ai pas noté le nom. J'ai pas noté le nom. Ou j'ai noté le nom et je m'en rappelle plus. J'ai noté le nom quelque part en fait et je m'en rappellerai plus, genre. Ah, ça prend l'air. Hein. Pas l'air de l'avoir noté le MJ. Hein. Donc voilà. Je crois que c'est Barul. Barul, ouais. Donc voilà. Toi, tu l'avais noté Méfie-toi, normalement le nain. Ascal. T'avais noté cette information le nain, non? Ou t'en as rien à foutre? Ah, pour le coup, ouais, je l'ai monté. Ah voilà, c'est ça, c'est Albaruk. C'est Baruk, c'est Albaruk. C'est le nom de la forteresse. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que tu trouves. Ça c'est ce que tu trouves déjà. Et pour tout le reste, tu vas me faire un petit jet de langue. Décryptage. Décryptage, il faut voir ce qui est encore en bon état. Ça va être du décryptage. Et vous aurez tous le droit de le faire si vous le voulez, bien Ok. sûr. Ah ben non. Bon bah tu trouves rien. Non. Rien de plus. Il y a des étagères, elles sont trop hautes. Ah merde. Je peux aussi faire un Elf, test de décryptage. elf. Vous pouvez tous faire un jet de décryptage si vous le souhaitez. Enfin, tous ceux qui sont dans la pièce, puisque l'elfe, on n'a rien à foutre comme Allez. d'habitude. Réussite critique. Réussite critique. Ah, Bah, l'elfe surtout n'entend rien à cause du. donc L'elfe, pareil, il tu n'écoute trouves pas. quelques rouleaux et grimoires sur les hauteurs qui sont des rapports militaires, ce genre de choses. Donc là, on est plus dans l'activité des humains qui étaient là avant. Voilà. Donc tu peux noter leur leur nom. Est-ce que je peux avoir le nom des gens? Ah bah oui. Tu trouves les fameux noms au nom d'un dénommé famille Fellmark. Voilà. Des quoi des Et de la famille humaine qui était donc qui possédait ce domaine et qui s'appelait donc Fellmark. Après, tu n'as pas trop le temps d'approfondir, mais donc ça s'écrit Fe2LMEARK. Voilà. Moine. Non, attends, t'as fait une réussite moi critique, c'est c'est ça? fait. J'ai ouais Tu bah peux je m'en l'écrire dans le chat, s'il non, te plaît. attention, non, non, c'est pas ces délais, hein. Attention, c'est pas cela, c'est cela là. J'en ai Ok, qu'un attends, seul, je j'ai te qu'un donnerai. seul. Je vais te donner l'info juste après, parce que j'ai pas fini sur sa réussite critique. Sur ta réussite critique également, tu trouves un livre nain, par contre, que le nain a acheté comme ça en vrac par terre et qui avait l'air en fait bousillé sur les alentours. En fait, sa couverture a pris très très cher. Elle a été brûlée, traînée dans la boue. Enfin, la tête de la couverture, tu fais qu'est-ce qu'elle a pas vécu quoi. C'est limite si tu trouves pas des traces de blaster dessus, tu vois. Bref. Ouais. Par contre, l'intérieur est encore en bon état et en fait, c'est un livre pour apprendre la langue commune aux nains. Donc, en fait, c'est un livre qui te permet soit d'apprendre le nain, soit d'apprendre le commun, en fait. Ok, j'ouvre le livre. Oui, tout Hey, à fait. mon ami le nain, Asgal, une boîte serrure de ça, t'en as besoin, je pense. Mais sauf qu'il sait parler Espèce commun et il sait parler drôle. de. Sauf cet abruti. Donc, voilà, ça, je te l'ai dit. Avec un ton. Je lâche. Est-ce que je peux me permettre de l'insulter en Kazaïde? Bien sûr. Soukabiat. Souka. Souka, mâche de mes couilles. De ton côté, Clay, tu trouves un traité sur la forge. C'est un traité sur la Moi, je forge peux que faire mon. tu trouves. Donc, qui est un livre. Qui était, en fait, c'est un livre nain qui a été extrait et traduit dans un livre humain. Et donc, on retrouve les pages naines qui sont alors, dans un état, mais c'est bouffé par l'humidité quasiment et compagnie, avec des pages qui ont moult souffert, dans un livre humain qui est déjà en meilleur état, qui a permis un peu de préserver tout ça. Et donc, c'est un traité sur la forge avec sa superbe couverture en fer.
Ah bah c'est super, je vais pouvoir le donner du coup à notre ami Asgore. Pardon, qu'ai-je joué ? Mais désolé, c'est la fatigue. Ah bon, t'as joué ? Formidable. Notre la langue full chasse, c'est pas d'une dernière. Vas-y, un prêtre ça. Ah. Non, je vais pouvoir le donner du coup à notre ami le nain, qui va pouvoir du coup apprendre à faire de la forge enfin. Très bien. Mes aïeux seront contents de moi. Rien ne t'empêche de devenir un moine forgeron, hein, ceci dit, hein, je tiens à le préciser. Qu'une restriction légale. Hein. Un moine forgeron. Bah oui. Rien ne nous empêche de tous devenir forgerons. Hein. Il n'y a absolument aucune restriction. Hein. Je veux dire, on n'a pas attendu les nains pour découvrir. Nous, on devient tous forgerons. Hein. Non, mais qu'on soit bien clair, les humains n'ont pas attendu de rencontrer les nains pour découvrir l'âge du fer. Hein. Ou du bronze. Ouais, mais ils les ont attendus pour apprendre. Non, rien du tout. Ils n'ont pas non plus attendu les nains pour découvrir l'alcool. Non. Voilà. Le bon alcool, par contre, ouais. Ça dépend du quel alcool on parle. La bonne binouze. Voilà, ça oui. La pisse. La pisse. Et donc, l'elfe arrive et vous avez pouillé toutes les étagères et il n'y a plus rien à trouver. Chez. Chez. Du coup, on peut mettre quand on a... Donc voilà, vous avez trouvé cette bibliothèque. Moi, je vais me diriger vers ici. D'accord. Moi, je peux. Ok, pas de soucis. Nickel. Et je fais le maître nain. Ouais, au milieu de là. Non, tu peux mettre sur chaque étagère, ça marche aussi. D'ailleurs, parce que tu ne peux pas le mettre au milieu de la pièce. Voilà. Sois bien clair. D'accord. C'est pas possible. Voilà, j'ai mis le deuxième. Cool. Alors, maître nain. Allô, le nain. Oh mon dieu, le lag. Allô. J'entends plus rien. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui. Ouais. Ah, maître nain, qu'est-ce que tu branles ? Pardon ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fais ? J'entends plus que Narfang. Allô ? Oui. Qu'est-ce que fait le nain ? Mais je l'ai su. Tu peux mener le pas si tu veux. Je te laisse passer. Donc. Ouais. Il vaut mieux pour vous. Mais t'as lâché ma. Du coup, si on peut aller dans le couloir. Bah, tu vas d'abord. Alors, c'est la première et c'est la dernière fois que je te le dis. Avant de sortir cette pièce. La première et la dernière fois. Hein. Parce que je veux bien être grand prince, mais faut pas déconner. Tu me fais un jet de détection des pièges, s'il te plaît. Ah. Ou un jet d'ops, comme tu veux. Ah, je suis dégoûté. Je suis pas difficile. Je suis le MJ le plus sympa du monde. Tu observation des pièges. Ouais. Soit non, je préfère le piège. Ouais, je me doute. Ça passe. Ok. Ah, mais oui, il y a vrai. Quelque chose ici. Hein. Il y a une pierre qui a l'air vachement mobile ici. Il y a une quoi ? Une pierre qui a l'air mobile. On n'entend pas, Knaf. Un truc, quoi. Un caillou. Un caillou. Alors. Claire. Est-ce que, bah, du coup, s'il y a des. Un caillou, j'ai pas entendu non plus. C'est très chiant comme épisode, c'est magnifique. Ça. Oui, très chiant. Pire épisode. S'il y a des pièges, est-ce que j'en suis. Oui, écrire. J'ai pas entendu. S'il y a des pièges, est-ce que j'en suis conscient ? Non, il y a pas de piège. Pas de piège. C'est un passage secret, visiblement. Oh ben. Je préviens mes amis, je leur dis. Et allez, il y avoir un passage secret. Direction, ouais. Alors, il est plutôt de petite taille. Il fait genre, ça fait genre 1m20 de haut, mais ça fait 1m20 de large. Ah, il pense à peu près savoir qui a taillé ce passage secret il y a longtemps. Ce n'est pas un passage secret, c'est un passage nain. Okay. Oui, mais secret. Parce que quand les nains font une porte, je te rappelle qu'ils font une porte de 15 mètres de haut. Ouais. Mais c'est okay. Autant de large. Voilà. Ça, je crois que c'est ta taille.
Donc C'est tu pour passes ta traite à compenser quelque travers. chose. Fais-moi un jet de contorsion, Des le nain. soupliers. Parce que là, c'est pas évident à ouvrir comme truc. Ok. Est-ce que je peux les aider à passer? Tu me fais le fait ce que je t'ai demandé et puis point. Pardon, mais j'entends rien. J'entends Contorsion. contorsion. Il a mis le micro dans sa bouche. C'était Mais c'est le seul moyen qu'on a de l'entendre. Moi, je comprends même pas un mot sur deux. j'ai fait un bouclier blanc, bouclier noir. C'est les malédictions de la... Ouais. Et bah tu passes, pas de problème. Voilà. J'ai perdu le nain de vue, mes amis. Disparition. Je suis un nain furtif. Donc, Qu'est-ce que c'est? ce sont des trappes, visiblement. Il faut que vous m'entendiez. Alors, attendez, je vais Y a-t-il de m'écrire. ton côté? On t'entend Vas-y. là, on t'entend On correctement, t'entend parle bien? m'entendez correctement là? Vous êtes Profite. sûr? Très bien. Au Un fil de peu. ces quelques... Il y a un écriture, il y a un écriteau sur le mur. Est-ce que quelqu'un par hasard parlerait Kazalit dans votre groupe? Ah, merde. Pas moi. Merde, personne, Mais on c'est a un ça? bouquin pour traduire. Il n'y a que moi. Y a que moi. Ah bah donc il y a quelqu'un qui sait lire le Kazalit dans votre groupe. Faut pas répondre Oui, merde, il non. faut répondre oui. Mais bande de boulets, sinon on a un bouquin pour C'est traduire moi là. qui l'ai. Je tiens le pouvoir. C'est bon, il sait lire le Donc Kazalit. le nain, tu me fais un. Est-ce que tu est-ce que y a un truc qui est écrit en Kazalit sur le mur? En face de toi. On n'a pas Par entendu. contre, on n'a pas entendu là. Ouais, je dis, il Je y te a demande s'il y a quelque quelque chose chose en d'écrit. kazalide écrit sur le mur en face de toi. Est-ce que j'arrive à le lire là? Tu peux, il va falloir me faire un jet de langue, monsieur. Bah, du coup, ok. Parce que c'est des vieilles runes, pas très fraîches en plus. Ouais, j'ai fait option Casalido bag, donc je pense que T'as ça peut pas le de faire. bac. T'as même pas un CAP, t'as même pas un CAP nain barbu. Oh là là. C'est bon. J'ai fait bouclier, bouclier. Ouais, c'est bon, c'est valide. C'est valide. L'une de ces trappes vous offrira richesse. C'est là que je suis dégoûté de pas d'avoir changé mes sorts depuis avoir... Alors, Moi, je peux faire. une Mais putain de indication. Oula. On n'entend plus rien. Allô? Oui, c'est attends. Ok. Non, du coup, dans tous les cas, je suis le seul à être là, donc vous pouvez rien faire. Moi, je m'acclame. Mon ami le nain, tout va. Tout va très bien. Tu t'acclames? Non, tu t'exclames. Ouais, parce que si tu m'acclames, c'est normal si tu es beaucoup Ouh, de nain, grand nain. monde. Sois-tu de notre aide, sois-tu contre. si c'est possible, rejoins. Ok. Alors, je Bah, c'est tiens à bien. Bah, je sais. préciser que les trois autres membres du groupe, vous voyez que dalle ou presque, hein. Moi, je vois quand même quelque chose, non? Un petit Non. Mais j'ai toujours mon orbe qui fait de la lumière. Ah oui, c'est vrai que tu utilises J'avais le ta pilier du boule pour faire mana. l'oupiote. Ah oui, donc oui, vous voyez quelque chose tant que vous êtes à proximité de l'archimage, c'est vrai. C'est pratique d'avoir un archimage, hein. C'est vraiment la classe la plus pétée du jeu en termes de magie. Incroyable. Il Hein? fait de la C'est lumière. encore mieux d'être un L'elfe, il aimerait bien avoir des sorts aussi C'est balèzes. Chais! Yes! Chais! Vous pouvez pas me tester meilleur perso. Soyez pas Alors, jaloux. qu'est-ce que vous Enfin, non. faites? J'ai pas entendu, je suis désolé. Personne n'a Déplacez-vous. entendu. Dois faire un test, je suppose. Non. Très bien, alors je te rejoins. Donc en fait, il y avait que le nain pour ouvrir ça. Ah, tu devais ouvrir. Ok. Ouais, en gros. Nous avons quatre choix.
Non, 5 choix. On a le choix de ne pas tenter la malchance et se barrer. Ou sinon, on peut faire... Non, sinon... Vous avez plus de 5 choix si tu veux vraiment faire ton malin, puisque vous pouvez aussi faire le choix d'en ouvrir 2, d'en ouvrir 3, ou d'en ouvrir 4, ou d'en ouvrir 0, ou de partir, ou de rester, de mourir sur place. Ben voilà. Ça, on est d'accord que quand j'utilise enfin, quand j'utilise le sort voile de brume, je deviens transparent à moitié. Tu m'emmerdes. Bonne réponse ou pas? C'est comme pour la fluidité de l'eau. C'est parce que tu te déplaces. Si tu ne te déplaces pas, si tu es statique, tu prends cher. Ça t'enveloppe. Ouais, mais et si ça te triste. Il n'y a pas de si je. Tu ne te déplaces pas. Tu ne cours pas. Donc tu ne te fluidifies pas, on va dire. Voilà. Bon. Sinon, j'invoque un. Qui est le plus résistant d'entre nous? Moi. Pour défoncer les trappes. Toi. Ce qu'on va faire, c'est simple. Attends, est-ce que c'est quoi là, ici? Tu vas boire la potion de résistance. C'est un bout d'os. Et tu vas ouvrir. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu. Os. Moi ou t'as fang? Os. Os. Non, os. Allô? Allô? Os. Ah, os. Ah, os. Os. Oui. C'est fatigant, hein? Ça m'a l'air d'être un bon prix. Non. Ah, peut-être. De toute façon, c'est un trésor. Il me revient de droit. Du coup, je disais. Voilà. Ok. Merci. Mais du coup, je viens voir la potion au cas où. C'est sûr, parce que. En vrai, si c'est que des pièges. Bon bah du coup je vais faire je vais détecter je m'avance vers la première. Je vais détecter une détection. Enfin je vais faire une détection de piège, vas-y. Avec la chance tu vas tomber dessus sur le premier. Vas-y. Attends merde, j'ai pas lancé tous mes dés. Oh punaise, j'ai pas trouvé. J'ai fait deux crânes. Il n'y a aucun piège pour toi. Ah mais je fais pareil pour le deuxième. Il n'y a aucun piège pour toi. Est-ce que... Attends. Il n'y a aucun piège pour toi. C'est basé sur vigilance, hein. Et il n'y a aucun piège pour toi. Pour toi, il n'y a absolument aucun piège dans aucune de ces trappes. Ok, je suis là. C'est basé sur vigilance. Oui, vigilance, piège. Ok, j'ai 3 dés de vigilance, donc c'est des dés de... Oui. Et je vais faire pareil, je vais passer dans tous les pièges un par un. Ok, ça marche. Je roll, hop. Il n'y a pas de piège. Deuxième. Oui. Okay. Tu fais la deuxième trappe, ok. Fais voir, t'as fait combien? Il n'y a pas de piège. C'est le troisième. Troisième trappe. Il n'y a pas réellement de piège, mais il y a un truc louche à cet endroit-là. Tu saurais pas trop quoi dire. C'est peut-être les ossements au sol qui te mettent la puce à l'oreille, mais au sens strict du terme, il n'y a pas de piège. Mais tu le sens pas cet endroit-là. Et il n'y a pas de piège. Voilà. Okay. Ok. Bon, déjà, on est à peu près sûr pour. Donc lui on l'élimine. Ok. Bon, je vais. Attends, le texte, il y a vraiment aucune indication par rapport. C'est vraiment. C'est un texte ouvert. Je vais te la coller la phrase. Hein. Voilà. Je vais te la coller. Voilà, comme ça tu seras très content. Voilà. Voilà. Vous l'avez. Ouais, merci. De rien, je t'en prie, ça me fait. Ah, du coup, je vais ouvrir celle-ci. Tu ouvres celle-là? Ouais. Eh ben, tu ouvres ça. Je sais pas si j'ai une autre face pour ce truc. Ah non, j'ai pas d'autre face. Ok, bon, je l'enlève, hein. Du coup. Et, Pam, 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 pam. Grumgi.
Chance de nain. Merde, ouais, je Chance le de prends. nain, mon gars. Ah ouais, et ouais. Chance de nain, mais tellement fort. Bon, bah, bonne soirée, c'était un plaisir de faire ce donjon avec vous. Bon, bah, C'est est-ce que l'épisode de la vous le chance sait du très nain. jardin de ce Ah, bah, je pense quand même qu'on peut. Je pense que ce nain est riche. Ce nain est content. C'est Que Allô? faites-vous? Bon, du coup, je leur propose de. Faut qu'on aille là-bas. Faut qu'on aille là-bas. Parce que je me rappelle que ici, il y avait un mur ébréché. Et Fulfimir. Eh bien, déplacez-vous. Mais. Du coup, je dis. Regardez. Fais-toi plaisir. Non, merci. C'est dommage, tu risques bien de. Pas de risque. Ah, mais vous savez pas qu'il n'y en a qu'un seul. Vrai. Et Techniquement, moi, vous le savez pas. j'ai pas. Là, tu leur as lu la Moi, je l'ai phrase, pas hein. dit. Je l'ai pas dit, donc. Tu leur as pas lu la phrase? Non, Non. je vais. Il bait le Ça y est, le nain devient un elfe. Ouvre donc une trappe. Je t'en prie. Moi, je m'en vais. Du coup, attends, du coup, j'ai un. Demande à ce qu'il ouvre une trappe. Genre celle-là. Me casse avant qu'il fasse ça. Ah, oh bah d'accord, Bah, bah je bon, bah, reste. le nain, tu Enfin, vas me faire. Alors, attends, deux secondes. Non, non, de toute façon, le nain, tu leur dis la vérité, parce que sinon, je vais te demander de faire un jet du prix. Et quand le nain commence à vous faire la blague, non, mais Ah. il y a sûrement d'autres richesses, vous le Ah, voyez mais j'ai rien trembler, dit. transpirer comme ça. Non, mais. Non, non, bah il n'y c'est a pas. pas qu'une seule trappe, vous pouvez rester, ouvrir les autres, je suis sûr qu'il y a du J'ai vraiment pas pognon. menti. Ouais, qu'il a que. Non, mais Ah, j'ai le pas salaud. menti. Donc, tu me fais Bah ouais, mais C'est vrai que j'ai pas menti. Non, non, mais Je bluffe. en termes de Non, lore, même pas. t'essaies de leur faire croire qu'ils peuvent ouvrir une trappe. Vous pouvez ouvrir une trappe hein, si vous voulez. Moi je dis ça. Ouais, tu me fais un J'ai jet du prix. rien. Bah, tu me fais un jet du prix. Avec des avantages, merci. Mais t'as Avec une des avantages, réputation parce du. Ah ben voilà, j'ai fait un crâne. que. Donc, vous n'arrivez pas à croire le nain une seule demi-seconde. Et au moment où il est en C'est train d'essayer dommage. de vous bluffer, vous êtes déjà en train de vous barrer. Voilà. Mais crédibilité, Espèce moins de 12. métaux. Voilà. Oh, ça, on n'a plus le droit de rigoler. L'elfe, rejoins-nous. Ne nous laisse pas seuls. Rejoignons nos camarades. Allez, par ordre. Moi, je dis à l'elfe d'y aller parce qu'il me saoule. Il me saoule, l'elfe. L'elfe, il me saoule. Moi, je vais plus me battre. Je fais. Mon Moi, ami je le passe moine, commande. te souviens-tu de cette salle, de cette fameuse salle où nous étions avec la bougie? Tu m'appelais comment le. Je Tu m'as appelé le le moine? moine. Je Tu pense que m'as ma appelé. résurrection a martyré quelques petits neurones. Je passe quand Je même commence à être aussi. extrêmement fatigué. Donc, si tu vas prendre le commun, j'ai un livre en casalite pour toi. Mais tu n'auras pas ce savoir secret. Je me rappelle très bien. Je pointe, de toute façon, je pense que tout le monde le voit. Le mur est Le muret, bréché. ouais, est bréché, ouais. Là, du coup, vu qu'il y a de la lumière, oui. Ok. Lumière que je suis très sympa de laisser encore exister alors que le mage n'a plus de mana en stock, en fait. Mais je suis grand prince. Normalement, du mana. Ouais, non, mais ça dure pas Il une avait éternité, en bien. fait. Il l'alimente avec son propre mana. À partir du moment qu'il a plus de mana, normalement, la boule ne fonctionne plus. Donc voilà. Ouais, je suis Bah, il peut pas d'accord. m'apprendre comment faire? Non, parce que tu n'es pas un archimage. Tu es une sous-créature qui fait de la sous-magie. Voilà. T'apprends à faire. À mettre du mal. Ah, il faut géo des chiens. Avec Tu es une sous-créature, je la viens de corde le de 10 dire. mètres de la chasseresse et le briquet d'Amadou et mon bâton ne pouvons pas faire une torche. Mais j'ai toujours ma sphère dans les. Tant que C'est bon, je suis là, vous. Dans sa tous les cas, lumière j'aurais marche les parce que je suis trackers grand. Sa avant que. lumière marche parce que je suis grand prince. Voilà. Donc arrêtez de m'embêter. Qui sait qu'elle ne va pas s'éteindre? Mais si, je vais pas rentrer.
là-dedans. Bon, bah, laisse tomber. Moi, j'y vais en Ben oui, premier. vas-y, mon Il ami, faut que tu la défonces, monsieur, ce mur, quand même, hein. Il est ébréché, mais il faut le défoncer, hein. Ah je dis au oui. moine, d'y Attends, aller mais avec son sinon, je... bâton. Non, je dis au moins, de me donner un coup de main pour que si jamais il y a un truc derrière, Oui, parce que ça sent la mort. je Ça sent la reste mort. prêt, ne t'inquiète pas. Mais défonce le mur, je me prépare à fondre. Ok. Donc, je me place devant. Tu lui files un coup de Bon, main je pour ouvrir vois. le truc ou pas? Ouais, je vais péter le mur si possible. Tu pètes le Et mur en si haut. lui, comme ça lui. Non, mais Pète de le côté, mur, je peux pas péter le mur, je peux pas pète le mettre un mur. coup avec mon bâton. Bah t'as la longe. Ah, c'est Bah un oui, mur j'ai. de pierre quand même, t'es gentil. Et t'as un bâton de bois. Faut péter le mur. Ah, faut le péter. Putain, mais j'en ai marre. Je suis le seul à avoir de la force ici. Laissez l'elfe utiliser. Vas-y, elfe, utilise ta magie. Il peut invoquer des djinns, j'ai pu les voir à l'action. C'est plutôt pas. Ouais, mais lui, j'ai pas pu le voir à l'action. C'est djinn, Donc d'accord. j'utilise un djinn, donc c'est 3 dés offensifs, c'est ça pour invoquer? Ah, pour qu'il pète Oui, tout à fait, tu me fais quand même le ton mur. jet de magie, s'il te plaît, pour voir quand même si tu échoues. Oui, non, Vas-y, mais je vas-y, lance mes fais péter. 3 dés pour. Fais péter. Ça passe. 4, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai compté ce coup-ci, hein, c'est bon, hein. T'as fait des révisions de 1, 2, 3, mathématiques. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. 4 dés. Ok, le mur vole en éclats. Ok. Le mur vole en éclats. Une odeur assez cadavérique et macabre émane de cette pièce. Vous allez me faire un jet d'observation. Tous. Non. Tous, t'as Non, non, dit? non, pas tous, pas tous. Alors. Deux secondes, je suis Ok. en train de réfléchir. Le moine et l'archimage. Ah. Ok. Ok. Je vais Alors. t'échauffer. Observation. Le. Alors, vous faites un jet Observation de et connaissance de la magie, perception. s'il vous plaît. Et le moine reçoit un dé supplémentaire à lancer, mais pas à garder. Un jet 0. D'accord, Connaissance de donc la magie? je Donc, t'es lance à 3, 4 dés. je garde 2. Oui, connaissance de la magie, s'il te plaît. Ok. Et moi, je. T'as pas connaissance de la magie, toi, t'es un touriste, non? Oh! Ah si! Ah Bah si, c'est si, vrai moi j'ai la que magie, j'ai Tassouras, ils ont connaissance, la mais. magie. Ouais, tu peux. Réussite critique. Réussite Réussite simple. critique, non? Bah non, pas du tout. C'est des dés blancs qu'il faut faire, Non. monsieur. C'est des Bah boucliers blancs. oui, ils sont là. Ah oui, excuse-moi, je croyais que c'était l'archimage qui me parlait. Ok, très bien. Hop, je garde. Très bien. Il y a un sort de magie noire qui est à l'œuvre là-dedans. Le moine en est sûr. Après, je ne sais pas si le moine souhaite partager cette information. Si, oui, je partage. Mes amis, je ressens quelque chose de maléfique de l'autre côté de ce mur. Je ne sais pas si c'est bien. Si c'était une bonne idée de finir le mur ébréché. Il le fallait. Ah, je serre les dents. Pas de magie. Je serre les Là, dents. vous entendez la musique. Déjà, vous qui commence à se mettre en arrière-plan. Action, réaction, anticipation. Action. Bah, je propose qu'on n'y aille pas, moi. Et le mur est cassé. On l'a Un elfe, c'est quand ouvert même un exemple trop de tard. fuite et de lâcheté, hein. C'est quand même. Ah, mais Ouais. il y a une porte ici, vous voyez, les portes c'est solide dans le jeu. Ça résiste à pas grand chose en fait. Mais ça nous donne le. Vous voyez? Donc, je vous propose qu'on et qu'on revienne plus tard quand on sera Attendez, mais posé. je tends le flacon Merci. Ah, pas bête. Si c'est un mort-vivant, tu peux le désinguer. Faut pas oublier de gueuler les grenades. C'est pas à boire ça. Ah, ça ne se voit pas. Ça n'aura aucun effet si tu. Bien sûr, parce que je me sens pas très bien. Si t'as soif, c'est pas mal, mais c'est pas une bonne idée. C'est un peu dégueu, hein. Le bénite, Normalement. le bénite. Oh. Le bénite. Allez, je me le rajoute. Vous vous rappelez Alors, de ce qu'a rappelez-moi, fait il est où? l'obélite ou pas? Ah.
Ouais, elle tue. Obélix, ouais, elle tue instantanément. D'accord. Tout ce qui okay. est mort vivant, ça. Ok. Bah, qu'est-ce que vous faites à part vous faire une réunion sommet de je veux fuir, non, moi je veux boire, mais c'est pas de l'alcool que tu me donnes. Pas de ça sent la magie noire. Tout ça. Que faites-vous? Écoute, mon cher ami moine, tu es ici, t'as une quête. Je suis un homme, bordel! Oui, t'es un homme, merde! Tu peux absolument ratisser tous les moindres centimètres de ce donjon dans ta. Veux-tu qu'on continue dans cette salle? Allons-y! Je te suivrai. Au final, c'est toujours moi qui avance. Moi, je te rappelle que tu vois dans le noir. Attends, mon ami. Fais une détection de guerre. Tu souhaites que je te mette invisible. Si tu es invisible, tu pourras donc utiliser cette opénite sans te faire voir. De toute façon, il est déjà tellement tard. Je suis rentré. Très bien. Bonne chance. Il est déjà naturellement. Oh, reste trop... de héros. Non, mais tu le vois pas, toi. Oui. De là où t'es, tu le vois très bien, non? T'as perdu des amis ici. Donc, le nain, tu vois ça. Tu vois ça. Et tu vois ça. Il a pas de nom celui-là. Il a pas besoin de nom. Ouais, mais je préviens le moine. Alors, cette créature possède une arme naine en très mauvais état, un bouclier en très mauvais état. Par contre, il possède un casque qui porte une couronne. Qui était d'ailleurs qui porte la même rune que sur le même blason. Que sur le livre familial et qui lui est en bon état. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que je suis enragé de voir ce corps nain souillé, hein, de ce prince nain souillé. Est-ce que je suis enragé ou du moins est-ce que je me dis faut que j'ai une mort courage. Kazook. Est-ce que je peux... Bah, le problème, c'est que tu pourrais être enragé en temps normal, mais je te rappelle que tu as une phobie assez aiguë des squelettes. Ah bon? Mais ton devoir t'oblige effectivement à bannir cette créature et à rendre les ossements au sarcophage de tes ancêtres. Ok. Bah, du coup, je vais au camp. Asgal, attention à ce que tu... fais. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai senti quelque chose de maléfique derrière ce mur. Il se peut qu'il y ait quelque chose de plus que ce... C'est lui, il est maléfique. Je serai un nain. Bonne répartie. Merci. On n'a pas le temps de parler. Je charge vers lui. Ok. Pour lui asséner un coup de hache des plus... Vas-y, fais-moi ton attaque. Tu n'utilises pas l'opéné. Bah, c'est un squelette, donc je sais pas si ça fonctionne. C'est mort vivant le squelette? Oui, c'est considéré comme mort vivant. Ok. C'est mort un squelette, non? Je lui fais... C'est ridicule. C'est ridicule ce que tu fais. De quoi? Il bloque ton attaque. Sans aucun problème. Ah merde. C'est le moine. Donc toi, le moine, tu le vois. Tu le vois, ouais, la source de ce pouvoir maléfique. Qui se trouve juste à côté du nain. Et le nain est en train de... D'accord. Délicatement, mais somptueusement, en train de le respirer. Tu sais qu'à partir du moment que tu es dans cette zone-là, tu le respires. Ce nuage du chaos. Dans cette zone là, donc c'est mort. Les six cases, les 9 cases. Ok. Voilà. Donc que fais-tu, moine? Bah, du coup, si je rentre dedans, moi aussi je vais être imprégné par le mieux. Alors déjà la première chose, c'est que tu ne ressens que cette magie de merde et tu ne vois rien. Rien, ah oui, je puisque sais pas le tout, mec moi, qui a la lumière n'est pas là. Il est pas derrière, en fait. Littéralement, j'entends juste taper.
Bah t'as vu vite fait un nain partir, t'étaler comme un lapin dans ce gaz vert et t'as entendu bon clank et voilà. D'accord. Est-ce que je peux me mettre à puisque tu peux te mettre. Ouais, déjà mange ton micro s'il te plaît parce qu'on t'entend pas, premièrement. Bah, allô. Attends, allô, c'est la première fois, je ne voyais absolument les pieds dans la table de la torture. Est-ce que déjà tu peux mettre ton micro dans ta bouche? Ton micro dans ta bouche, s'il te plaît. Alors, entendu, moi. Voilà. Oui, j'ai très bien mon son. Vas-y, je t'écoute. Oui. Du coup, je disais, collègue mage et elf n'étaient point là, mais avec monsieur le nain, on était dans la salle de la table de torture et je me la suis pris dans la gueule parce que je s'y faisais nuit. Donc, d'expérience, je vais commencer à tâter autour de moi. De toute façon, je ne vois rien, je peux pas taper ni avancer proprement si je ne. Oui, par contre, il y a une chose que tu peux faire, tous ceux qui connaissent la magie. Peuvent tenter de dissiper de la magie. Appelle-nous. Tous ceux qui maîtrisent, connaissent la magie, peuvent tenter de dissiper la magie. Ah, du coup, je peux me tourner dans ce sens-là, gueuler à mes collègues de vite venir parce que je sens que quelque chose va vite mal se passer. Non ? Je peux agir, du coup. Vous pouvez tous agir, ouais. Est-ce que je peux me rapprocher avec... C'est donc un texan. Yeah. Ça me rappelle un autre épisode. Que veux-tu, mon ami Claire? Dépêchez pour... Tail de merde. Je ne vois absolument rien et j'ai entendu des bruits de coups se lancer pas très loin et surtout je sens quelque chose de... Pas très loin non plus. C'est beaucoup trop long. Voilà. Ardaken, il te reste une action. Je vais tenter de dissiper la magie dans cette pièce. Vas-y, bon courage. Mon accent texan. Bon yeah. Courage. Je dois... C'est un jet de volonté dévouement. Yes, j'ai pas tenu avec deux. Non, c'est un blanc ou un. Non, c'est des d'attaque, vas-y. Tu me fasses. Okay. À quoi que sinon, t'as raison, c'est du blanc, tu résistes. Ouais, c'est du blanc. Hein. Ouais, c'est du blanc. Tu résistes. Et hop, ça dégage. Hop. Et c'est un. Il y a tout le crâne. C'est une race creature. Ah non, c'est blanc, donc non, ce n'est pas rien du tout. Ouais, tu fais rien du tout, ouais. C'est bien ça. Tu t'aperçois à quel point tu es un vieux monsieur. Ah, je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas aussi con que le nain. C'est un elfe. L'elfe, la dernière l'elfe, action de bien l'elfe. Barré. La dernière action de l'elfe. Je vais devoir y aller. Ah, c'est la dernière action de l'elfe. Y aller. Viens, mon ami. Ça veut dire Sadactron. Ok, bah va crever. Maître Nain, tu vas te prendre ton coup dans ta gueule, hein. Puisque t'insistes. Si tu veux esquiver, hein, c'est maintenant ou jamais. Réussite critique. Ouais, il esquive, hein. Vas-y. Tu y esquives. En train de me faire une esquive critique. C'est pas mal. Mais... C'est pas mal. Deuxième. Deuxième attaque critique. Donc là, c'est défense, monsieur. Ouais. Vu que je suis à l'entrée, je fais suffisamment de lumière pour voir. Ah bah critique. Défense critique. Défense critique, ok. Tu perds 3 points de vie dans cette action. Et il est possible que le gaz que tu respires il en est pour quelque chose, puisque tu craches tes poumons. Tu craches peut-être même du sang. C'est à toi, nain. T'as visiblement pas beaucoup de alors, temps à perdre. Alors, est-ce que... Ouais, mais j'attaque. Je vais faire que ça de toute façon. C'est pas comme si t'avais de l'obénite avec toi aussi, mais bon. Non, mais t'inquiète. Ok, je comprends pas. Oh bon, tu veux pas le titre. Je te fais 2D. 2D?
Ouais, deux. Ça passe. Fais tes dégâts, s'il te plaît. Ok. Est-ce que je peux profiter de mon attaque pour lui écraser la bouteille à la gueule? L'obélite? Ouais. Non, c'est une action, lui balancer l'obélite à la gueule. Là, moi je estime que tu fais des dégâts, donc c'est j'attaque... H. Ouais, donc c'est à la hache. T'as utilisé ton bonus de H pour faire ton attaque, donc tu attaques à la hache. Oui. Ok. Ok, bah de toute façon, l'action suivante, je l'écraserai à la gueule. Donc ça fait 4 crânes. 4 crânes, ok. Action suivante. Bon, du coup, j'en profite. Je profite du fait qu'il doit se déstabiliser par... Pour lui projeter l'obénite sur lui. Ok, tu me fais un corps à corps gel, s'il te plaît. Corps à corps. Ouais. Ok. Je t'attrape. Et il n'a plus d'esquive, donc il ne pourra y opposer que sa défense. Puisqu'il a quand même un bouclier. Je t'ai fait deux. Ok. Critique. Tu le pulvérises. C'est pas critique. Okay, c'est critique pour le jet d'attaque. Bah, il est pas sûr. D'accord. Philippe. Tu l'as pulvérisé. Tu perds un point de vie. T'aurais pu le faire du... Un point de vie, ok. Tu craches les vermes, c'est tout bon. Non, du... excuse-moi, attends. Il faut que tu me fasses deux jets de résilience, s'il te plaît. Pardon. Donc endurance, résilience, s'il te plaît. Deux jets. Ok, endurance. Des blancs ou des verts? Des blancs. Ok, endurance, je suis à 4. Ok, deuxième jet. Deux. Ouais. Ok, en fait, il y a un point de vie, tu regagnes. Très bien. D'accord. C'est toxique comme ambiance. C'est toxique que, comme la bière, effectivement. Ça me rappelle ma jeune enfance, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je peux partir? Bah là, vous êtes hors combat, hein, le mec est mort, hein, donc... Ah! Zouquez-vous, hein. Je m'éloigne et je leur dis Bordel. Je vais retenter de dissiper la magie. D'accord, très bien. Avec la corde, avec la... D'accord, c'est possible d'attraper l'elfe et le foutre dans le nuage. Insuffisant. Tu sens que c'est de la puissante magie noire. Ah. Mes amis, je n'ai pas les compétences pour dissiper. Pourtant, tu es un archimage. C'est un archimage. Est-ce que. Y a les restes ou pas du, oui, oui, il y a les restes que tu vois là. Ils sont à. Oui, c'est la même pièce. D'accord. Oui, ah, c'est là. Du coup, c'est là. Il est vrai que c'est là. Mais que ce soit là, reste, ou que ce soit là c'est pareil. C'est pareil. Prends, c'est que tu as besoin et nous avons accompli. Donc okay. Nous devons les valider. Est-ce que... Et surtout ne reste pas dans ce putain de nuage. Ouais, je suis plus dans le nuage. Est-ce que je peux les prendre et je prends la corde, je l'enroule autour de moi. J'enroule la corde autour de moi. Et je prends les restes ici. Ouais. Donc je fais de quoi transporter les restes. Donc avec tu transportes les restes. Les restes, clairement, c'est les restes du vieux... Du vieux mec, je sais pas si tu remets d'ailleurs son casque dans sa tombe ou pas. Et note que t'as une corde. Okay. 15 mètres de corde. J'ai quoi ? 15 mètres. De corde, comment 15 mètres de corde. Non mais des cordes, la corde. Corde comment ? De corde, corde. Corde, corde ou cordelette ? Des petites cordes. Oui, parce que. Puis c'est la bougie. La bonne ou corde de la mer. Je sais pas, j'utilise des mots qui sont vachement clairs, non ? C'est corde. Ah d'ailleurs, ça y est, plus de lag, c'est mieux. Normalement là, c'est mieux. Ça a l'air d'être mieux, ouais. Alors, à défaut d'avoir 15 mètres, j'ai 10. Bonsoir. Bon, alors, ce qui est formidable, c'est que YouTube n'entendra jamais ta blague. Chais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cher ami Abdaron, on va se casser de là, on va le laisser dans sa blague. Bonne nuit. Non, on se met là. L'elfe, on le fait crever dans le nuage. Eh ben, messieurs, de toute façon, félicitations, vous avez full clear la zone. Je vous rempile votre merdier à la porte, hein, donc le truc de, du gobelin, de sache, etc. Qu'est-ce que tu fais du casque de fer, monsieur?
des restes de l'ensemble des restes du nain. Je les inhume, je les remets dans sa tombe. Très bien. Et je demande au prêtre de la sang. Enfin, genre de la purifier, quoi. Au prêtre. Au prêtre, au moine, pardon. Moi. Par hasard, saurais-tu pas un lointain parenté de cette personne, justement, et du coup la cour peut-être. Je regarde dans le. Ouais, non, mais c'est après. Non, je suis pas un proche. Mais normalement, c'est un dollar. Toutes ces choses. C'est un dollar reviendrait à la personne qui a sauvé le. Comment on appelle ça? Le. C'est un dollar. Nous reviens de toi, camarade. Donc, je sais pas si t'arrives à sanctifier. Enfin, oui, je sanctifie, j'absolue, je fais tout ce que tu veux, je fais un escalier vers le paradis si tu veux. Restes de cette personne. C'est-à-dire, très exactement en termes de rituel, parce que je t'avais parlé de rituel, tout ça. Qu'est-ce que tu pratiques exactement? Alors, on va rester dans les rituels nains. Tu n'as pas connaissance du Khazalid, bien sûr. Tu n'as pas connaissance des nains. Et non, je te les explique. J'ai pas les langues. J'ai pas... Donc, en gros, on a pour rituel de chanter. Mais après, pour tout ce qui est de la purification, je sais pas, tu vois, genre, pour purifier le cadavre, je sais pas vraiment comment on fait. Mais du coup, quand il s'agit d'inhumer, en général, on chante des chants mortuaires. Voilà. Et on inhume le corps de manière tout à fait... voilà. Donc du coup, je me mets à chanter. Ok, ça marche. Tu me fais un jet de volonté, moine, s'il te plaît. Ok. Alors, volonté, ça va être juste 2. Ok. Tu ne fais rien. Ouais, bah tu l'enterres comme ça, du genre. Alors, c'était... Daroul. Dajoul, ouais, c'était un mec sympa. Dajoul. Et enfin, il était pas très sympa avec nous, mais c'était un mec sympa. Mais à la fin, il était plus trop sympa. J'ai entendu des choses, j'ai pas bien vu la gueule. Mais j'espère que dans ce vivant, il était plus beau que là qu'il est actuellement dans ses rêves. Parce que dans son non-vivant, c'était quand même pas ça. J'aime bien la déco de sa chambre. Enfin, je sais pas si c'est une chambre. Enfin, c'est vachement dégueulasse ici, comme sa vie d'ailleurs. Je sais pas en fait, mais bonne journée et à la prochaine. En attendant, voilà. Donc il conclut sur une bonne journée et à la prochaine. On a mis le nain continuer ses chants un peu paillard. Non, c'est paillard, pas du tout paillard. Et c'est l'habitat du lit qui connaît au cul. Le chant d'enterrement. C'est concept, hein. Putain, comme enterrement. Yes. Est-ce que tu peux faire un jet d'observation, s'il te plaît, magicien, enchanteur, magicien, touriste. Oui. Je fais cette observation, donc si je. Je t'invite à ne pas le rater. Ah, c'est réussi. Bravo. À ne pas quoi? C'est réussi, bravo. Peu importe, c'est réussi. Yes. Tu vois une pile de gadgets qui commence à descendre l'escalier. Tu te rappelles tes amis que t'avais laissés de l'autre côté de la porte? Ouais, je m'en souviens. Du coup, j'interpelle mes amis et c'est la leur dis de sortir très très vite et moi je me recule très très loin. Je prends le casque du. Mes amis, sortez vite! Je le mets sur ma tête et je prends ma hache et je fais. Il reste encore des gens purifiés ici. Courez vite, courez! Ça y est, le nain s'est trouvé une vocation incroyable de.
Ah oui, là, ça y est, l'autre il est déjà en train de fuir. D'accord, parfait. Nice. Donc vous fuyez, vous prenez position. Le DJ, DJ Joule, là, elle arrive. La mamie. Est-ce que j'ai le droit de me mettre sur la... pour prendre de la hauteur, pour mettre enfin à la hauteur d'un... Je vais leur montrer qu'il existe encore un homme vivant dans les mines de Fedmark. D'accord. Ah ouais, le gars essaie, il est en dernier, il est en mode dernier carré, dernier bastion, c'est parti. Il en a pas rien à foutre. Je sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est fait exprès, mais c'est la mamie. La mamie. Oui, oui, c'est la mamie du village de Fedmark, c'était volontaire. Parce que c'est une femme en fait, c'est une femme. Peut-être, mais donc... l'animation, elle a pas beaucoup aimé. Donc, j'estime que vous êtes placé. Qui joue en premier? Quelle horreur, mais j'ai pas mana. Oh là 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 là. Qui joue en premier? J'ai demandé. Sinon, je fais dans l'ordre d'apparition de la gauche vers la droite. Allez, c'est parti, Clay. Ouais, du coup, je joue en premier s'il faut. D'accord. Je joue en premier. Ah bah vas-y, je joue en premier. Ah bah vous savez pas, alors c'est Clay, ouais, Clay Loctar, tu joues en premier. Moi j'ai dit allez-y. Ok, moi je m'approche. Ouais. Je peux pas sortir de la pièce, non? De toute façon là je vais être en combat. Tu peux, mais sinon tu peux la frapper là, à partir de là où t'es. À partir de là où je suis? Oui, tout à fait. Là en te mettant devant, en effet. Ok, et bah du coup je lance mes sorts d'attaque, hein. Enfin pas mes... Mes dés d'attaque, du coup, corps à corps plus spécialisation arme, du coup ça fait ça. Attends, juste deux secondes. Le maître nain, tu m'as dit que tu prenais son casque, mais tu me l'avais pas dit avant. T'avais pris son casque. Donc tu le prends là. Pardon? On est d'accord. Non, je l'ai pris avant qu'ils arrivent. En gros, tu sais, genre t'as dit, tu vois que machin il monte, et du coup j'ai dit que je prenais le casque de Baroul. D'accord, très bien. Et je le mettais sur ma tête, et je dis, il est encore là. Tu vois, je l'avais dit. Ok, bah ça te fait un dé d'armure supplémentaire grâce au casque. Yes. 2 dés, parce que c'est en fer, je crois. C'est 2 dés. Voilà. D'accord. Du coup, je lance mes dés d'attaque. Vas-y. Tabasse-moi cette mamie, hein. Comme Jaja. Alors. Et du coup, j'en garde combien déjà? 3? Non? Si. Bah, tu gardes. Tu calcules. Tu maîtrises ton sujet. Excuse-moi, y'a pas la couronne dessus? Sur le casque? Si. Ok. Bah, c'est la couronne de Barul. J'ai fait deux crânes. C'est le casque de Barul. Deux crânes. Est-ce, oui. Est-ce que sur la métisse que je jouais tout à l'heure, il y avait du mana dedans ou c'est juste une simple métisse? Très bien. Échec critique de sa part t'ajoutera plus un tes dommages. Fais tes dommages, je t'en prie, moine. Ok. Alors, athlétisme, force arme, leur athlétisme, 2, 2 et 6. T'ajouteras plus de. Arrête de soupirer. Hop là. Bah c'est 4. Beau. Coup critique ou pas? Du coup quoi lui? Critique ou pas? Mais j'en sais rien. C'est à toi de me dire. Tu gardes combien? Non mais t'en gardes combien? Bah, j'en garde 3, non? Donc réussite critique. Ouais. Ok. Tu gardes ces 3 là. Parfait. Nice. Donc tu fais un critique à 3, plus 2, c'est ça? Donc tu lui mets 5. Ok. Ouais. Cool. Ok, très bien. Coup de bâton qui défonce des... Très bien. Je te laisse une deuxième attaque, puisque j'estime que tu es en combat qu'à partir du moment que tu rentres en contact avec elle, puisque tu étais dans une autre pièce. Donc là, tu fais directement dégâts, puisqu'elle n'a plus d'esquive. Ah, seulement dégâts. Yeah, ok. Ouais, tiens. Parce qu'elle n'a plus d'esquive. Allez. Pourquoi tu lances que 5 dés? Ah oui, non. J'ai rien dit. Et ben, du coup, j'ai que 2. Ok, tu lui fais 2 contre sa défense, bien sûr. Monsieur le MJ, avez-vous le sort invisibilité? Je ne l'ai plus dans mon grimoire de. C'est votre problème. Chet. Je l'ai égaré. Bah, c'est pas mon problème. Chet. Non, sérieusement, en fait. Non, mais échec, je crois qu'en fait. Autre chose, j'ai pas le temps. De toute façon, t'as pas de mana, donc tu me fous la paix. Voilà, merci. Non, mais j'ai un parchemin, c'est pour ça donc que je voulais. Tu lui as mis combien? Bah, du coup, 5 plus les 2 délins, ça fait 7. Avec. Tu lui en mets 2. Ok, très bien. Suivant, c'est à Atfaren. Donc, Atfaren, puisqu'il a décidé de rage quit à cause de sa connexion. Pour aller jouer à Formule 1, un jeu débile d'ailleurs. Vous pouvez le spammer en lui disant que c'est un gros con.
Voilà. je vais pas m'embêter et il va balancer la seule chose qu'il possède, de toute façon, le seul sort nul qu'il possède, qui est le djinn. Voilà. Yep. Wouh, échec. Il a parfait. Que un... Échec sur la première, magnifique. Deuxième attaque, réussi. Donc il perd 2 mana. Ah bah il lui restait qu'un mana. Paf, il est à sec. Voilà. Il est à sec, je vais quand même le balancer parce que j'en ai rien à foutre. J'ai envie de balancer un djinn. Donc je vais balancer un djinn. La magie d'être maître de jeu. Voilà. Quand on est maître de jeu, on fait ce qu'on veut. Et ça rime en plus. 1, 2, 3, et je fais un vieux 3 dégâts tout moche contre la résistance mentale par contre de ma bébête qui est somme toute pas vilaine. Ah, d'ailleurs, il m'a manqué. Voilà. Ah merde, il m'a manqué. C'est pas glorieux. Donc j'avais fait 3. Allez, moins 3. Cool. Très bien. Archimage. Eh ben, je vais juste fuir, je peux rien faire. J'ai pas de mana, donc. Un archimage sans mana, c'est nul. Bah oui. Ah, mais d'ailleurs, c'est moi ou le sortilège de. Le sortilège de mort, l'archimage aurait pu le supprimer s'il avait pas été con. Non, c'est une attaque magique. C'était pas une attaque. Ouais, c'est une attaque magique. C'est un sort qui fait des dégâts, c'est une attaque magique. C'est vrai qu'on peut pas poser des questions intéressantes. Bah, et le parchemin, c'était quoi le parchemin que tu voulais savoir là? L'invisibilité. C'est tout con, je crois juste qu'il peut, il peut pas être ciblé, il peut se déplacer. Sur le parchemin d'invisibilité, oui, c'est ça en gros. Ouais, c'est ça, ouais, y'a pas besoin de voir. Donc 4, ouais, donc je vais me déplacer de 6, hein, désolé les gars. Tu te places d'autant que tu veux, hein, si tu veux fuir à 12, tu fuis à 12, hein, tu fais ce que tu veux. Ah, je peux fuir, bah je fuis. Ah, tu peux te barrer, voilà, très bien, donc il s'est barré. C'est à toi. Ok. Bah, est-ce que je peux... Bah, s'il te laisse passer, Clay, tu peux. Sinon, tu peux pas. Hop, non, mais tu restes au même endroit, tu passes juste à travers Clay. Mais il faut que tu sortes. Ah, d'accord, okay. Voilà. Ah, lui bouge pas en fait. Bon, bah j'attaque la momie. Ok, vas-y. Non, mais je sais bien qu'il est petit, le nain, mais il va pas passer entre mes jambes, c'est pour ça que je me décale. Non. Surtout qu'on. Je sais qu'on est proche, mais pas à ce point-là, quoi. Ça va être vachement proche, attention. Hein. Il y a une session avec un. Dans un donjon avec un lit de torture que personne n'est témoin, hein. Attention. Avec coup critique. Ouais, mais ça, coup c'est sûr. Coup critique à 3, c'est ça ? Il y a eu de témoin. À 3, ouais, coup critique à 3. Ok. Il n'y a pas de témoin. Ok, très bien. Fais tes dégâts, s'il te plaît. Ah, mais de toute façon, excuse-moi, tu faisais pas d'attaque, tu faisais directement tes dégâts, donc qu'est-ce que je m'embête ? Ah ! Tu faisais directement tes dégâts. Puisqu'elle n'a pas d'esquive. Moi, je bénéficie pas d'un coup critique, alors. Non. Dommage. Attends, lui c'était un crâne. Par contre, du coup, je fais ça def. J'ai un dé en trop. Ah non, j'ai pas de dé en trop. Si j'ai un dé en trop. Je sais plus. Bon, là, vas-y, lance-moi ça. Donc, comme ça, si elle encaisse. Ah, maintenant je suis blindé. J'ai l'impression d'être. Tu as fait combien là de crâne? Je t'en. Allo? Allo? 4! Merci! C'est ma faute si tu bugs. Bah, c'est lui c'est qui l'a. C'est nous qui se faisons engueuler. Mais non, oui, je t'engueule pas, c'est juste que je t'entends pas, donc je t'entends pas. D'accord. Bah là, normalement, ça devrait revenir en plus. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi Discord continue à déconner. T'as des petites pertes. Ouais, c'est ça, j'ai des pertes de pack. Bref, bon, c'est pas grave. Ok, nice. Attends, je veux d'ailleurs, vous en êtes à combien? Tu lui en as mis 4. La goule tombe. La goule a un pied dans la tombe. Et instantanément, toute l'armée de squelettes qui est derrière, parce qu'il y a réellement une armée de squelettes derrière, vous voyez des ossements tomber par terre, débouler l'escalier. Tous les morts-vivants viennent de tomber. Yeah. Incroyable. Moi, je t'adore et je veux qu'il n'y a plus rien. Les amis, vous avez tout vaincu? Vous avez tout pété. Et tout vaincu. Tu es le meilleur en du monde. Je viens de caresser les cheveux. Alors, je sais que je bug, mais je vais être très sympa. Je vais quand même vous donner l'XP gagné que je me suis embêté à calculer. Alors, quand je dis embêté, c'est-à-dire que je suis allé chercher les vieux épisodes
pour aussi connaître l'XP qui avait déjà été farmé. Et j'ai décidé de ne pas diviser cet XP et de vous le faire gagner en intégralité, sinon ça faisait un truc ridicule en fait, par personne. En sachant que j'ai augmenté la valeur du Seigneur du Chaos. Et des gardes du jugement aussi. Incroyable, donc, quel MJ magnifique! Donc, la facture s'élève à 110 XP. Yes, yes! Oh my god! 110 oui, XP. Oui, le MJ peut apparaître physiquement. 110 XP en sachant que vous avez. vous aurez. Moins 1 à l'achat de compétences de, enfin de spécialisation mort-vivant. Donc c'est la connaissance des morts-vivants. Vous aurez moins 1 pour la connaissance de forge. Vous aurez moins 1 pour la connaissance des nains. Connaissance de la langue. Non, de la langue naine. Donc vous aurez aussi moins 1 si jamais vous voulez acheter ce genre de compétences. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous pouvez faire des tas de bisous à YouTube et des YouTube en bisous. Bisous YouTube. Bisous YouTube. Bisous. À la prochaine, ton tube.